Bon, je me présente, je m'appelle Franck, j'ai 29 ans. J'ai eu mon accident il y a un peu plus de 5 ans en accident de moto. En vous dire plus sur l'accident, je ne saurais pas vous dire parce que c'est le trou noir. J'ai commencé le sport il y a un peu plus de 3 ans. J'ai fait un triathlon il y a 3 ans d'ici en handbike. Je suis en train de me lancer dans un très grand défi, faire une distance marathon dans la vallée de la mort. La distance n'est pas le plus difficile, ça va être la chaleur à savoir surmonter. Une température à 45-50 degrés à l'ombre. J'aime lancer des défis parce que j'ai un esprit compétiteur comme ça. J'aime bien me surpasser et donc faire toujours mieux. Ça, c'est bon, c'est un peu serré, ça. C'est une belle histoire de famille parce que la famille chez nous, c'est important. On est tous là pour s'entraider. Et là, ici, toute la famille va me suivre dans la vallée de la mort pour m'encourager et m'aider aussi pour le ravitaillement et avoir assez d'eau assez proche de moi. On a toujours été tous ensemble et que ça soit avec mon petit frère, avec mes parents, on est une famille soudée. Que ça soit moi ou le reste de la famille, on est tous très 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 fiers de lui, de ce qu'il peut faire, que ça soit dans la vie de tous les jours ou dans le sport. Sans famille, sans autant d'encouragement, je ferais beaucoup moins. Ce défi-là, je l'aurais jamais fait tout seul. Donc la famille est très importante. Il a un handicap, donc il a des difficultés que les autres n'ont pas. Et il y a des moments où il est triste, où il n'a plus envie. Et je pense que le sport, justement, l'aide à surmonter ces moments de difficultés. Le sport aide dans l'handicap, car quand on se lance dans un sport, on se concentre au maximum dans ce sport-là. Et même après, quand on a passé un objectif, qu'on a réussi un objectif plutôt, on est content d'y être arrivé. Et donc on ne pense plus du tout à l'handicap et ça nous aide à avancer et à être mieux.